Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument, j'adore. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de novembre 2023 pour le signe astrologique du Gémeaux. Eh bien mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui vous apporte ce mois de novembre? Vous savez, le mois sera très actif, belle énergie de feu. Donc on va voir quelques dates importantes, conseils, avertissements. On va voir les domaines concernés pour votre signe astrologique. Donc vous pouvez regarder votre signe de soleil, lune ou votre ascendant, parce que parfois l'ascendant joue un rôle plus important sur nous, donc dans notre vie, dans notre horoscope. Donc voilà. Eh bien, le 9 novembre, Vénus entre dans le signe de la balance. Magnifique. Elle est très forte et gère ce signe de partenariat. Vous savez, c'est un très bon moment pour développer, améliorer votre relation amoureuse ou professionnelle, trouver une harmonie, planifier votre future vie, donc avec votre compagnon, compagne. Donc voilà, une nouvelle rencontre importante. Vénus peut vous apporter cela. Bien sûr, un amour arrive dans votre vie. Il faut faire toujours attention parce qu'il y a toujours cette influence des éclipses sur nous pendant cette période. Toujours quand peut-être une rencontre inattendue ou un petit changement qui vous apportait dans votre vie peut jouer un rôle global à long terme. Peut-être que ça va devenir votre destin. Donc préparez-vous. Surtout que Vénus, justement, pendant cette période, va influencer votre cinquième maison d'amour, donc de relations amoureuse. Et bien préparez-vous, nouvelle rencontre bien sûr. Donc la vie amoureuse se développe quand il y aura le romantisme. Donc voilà, quand vous pouvez avoir donc justement la rencontre légère sans obligation au début, mais qui peut devenir donc un bon partenariat, donc la relation stable donc à la fin. C'est une maison des amants et des maîtresses. Eh bien, vous savez aussi, les maisons de talent, créativité, quand Vénus peut vous apporter du plaisir donc, dans ce domaine, quand vous pouvez vous montrer, donc être plus créatif. Donc voilà. Et vous savez, c'est aussi la maison de votre business. Donc si c'est actuel pour vous, quand Vénus, la planète des finances, peut vous apporter des opportunités, bénéfices, donc dans votre business. Donc voilà, et peut-être aussi vous apporter un nouveau partenariat, rencontre, contact qui seront très importants, qui vont influencer votre business et vous apporter des finances donc dans le futur. Et quelques dates importantes liées à Vénus. Le 3 novembre, il aura l'opposition de Vénus avec Neptune, planète de mystère, secret, imagination, rêve, quand on peut avoir envie d'une relation secrète. Donc voilà, une certaine impulsivité vers l'infidélité, peut-être manipulation également, où on peut avoir l'illusion, peut-être des soupçons par rapport à notre partenaire, être dans un brouillard, donc voilà, ressentir une déception, mais cela n'est pas la réalité. C'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif autour de cette date par rapport aux décisions que vous prenez, quelle impression vous avez dans votre vie amoureuse. Donc voilà, parce que après le 6 novembre, Vénus fait un bon aspect avec Pluton qui nous apporte une transformation dans notre vie amoureuse, un amour profond, les désirs, la passion, quand on prend vraiment beaucoup de plaisir ensemble, quand il y aura plus de sensibilité, sensation. Donc voilà, ça c'est un très bon moment pour développer votre relation amoureuse, peut-être parler de votre amour, déclaration d'amour. Donc c'est possible, bien, très très bien. Donc voilà, le 11 novembre, Mercure, planète de communication, nouvelle réflexion, planification en général, donc nos projets, entre dans votre septième maison de partenariat, quand vous pouvez avoir les nouvelles, peut-être plus de communication avec votre partenaire stable, donc voilà, et quand peut-être vous allez passer plus de temps ensemble, vous allez penser à votre futur, donc projet, planification,
l'évolution de votre vie. Donc voilà, et c'est aussi la maison de partenariat professionnel également, quand vous pouvez avoir des négociations, mettre plus de contacts avec les clients, collègues, collaborateurs, plus de contacts avec votre direction, voilà. Et surtout, vous savez, une date très importante, le 9 novembre, Mercure fait un bon aspect avec Pluton, quand on peut avoir une force mentale, donc une bonne impression de la situation, quand vous vous voyez des forces et des faiblesses des autres, vision juste en général, et vraiment mot percutant, force de conviction quand vous allez au fond des choses, de thèmes, discussions. Donc voilà, et vous savez, c'est un très bon moment, une très bonne date si vous voulez négocier quelque chose, avoir un entretien, nouveaux contacts, vraiment avoir le résultat, convaincre votre partenaire dans la profession, dans la vie amoureuse, faire une bonne impression. Donc la date du 9 novembre. 22 novembre, Soleil entre dans le même domaine de partenariat, vous donne de l'énergie. Et le 25 novembre, donc ensuite, Mars influence également ce domaine, donc toujours le domaine de partenariat qui sera très important dans la deuxième partie du mois. Vous savez qu'en Mars, vous donne de l'énergie, le désir, envie, motivation, courage, vraiment détermination. Ici, au début du mois, vous avez eu la planification. Maintenant, vous passez vraiment à l'action. Donc, vous faites les conclusions, avancement, vous avancez vers le résultat, vous réalisez vos projets. Donc, voilà. Peut-être qu'il y aura des signatures de contrat, donc c'est possible, et vraiment vos projets avancent, il faut oser maintenant. Donc voilà, et vous savez quelques dates liées à Mars, quand par exemple 11 novembre, il y aura l'opposition de Mars avec Uranus, planète de surprise, révolte, libération, quand on peut avoir des situations explosives, incontrôlables. Donc voilà, quand l'impulsivité, la révolte, l'impatience et la précipitation peuvent créer même un accident physique. Donc attention à cela, ou peut-être des décisions impulsives et ruptures soudaines, surtout dans la vie professionnelle. Donc moment très critique et imprévu, donc autour de cette date de 11 novembre. Donc il faut avoir une prudence absolue pendant cette période, quand vous maîtrisez vos sentiments, émotions, donc votre réaction, donc voilà, votre activité. Eh bien, donc le 18 novembre, il y aura la conjonction de Mars avec le Soleil. Vous savez, l'énergie physique très élevée, motivation très forte, envie, détermination. Quand pendant une journée ou cette période, vous pouvez vraiment réaliser un grand nombre de tâches facilement, donc profiter vraiment de cette date, planifier peut-être beaucoup de choses. Donc voilà, le 13 novembre, nouvelle lune en Scorpion dans votre sixième maison de travail. Alors la maison qui est très importante, donc voilà, la maison de travail, notre régime quotidien, santé, quand vous pouvez premièrement avoir nouvelles informations, perspectives, vous savez, c'est très bien pour commencer quelque chose de nouveau avec cette nouvelle lune qui nous donne de bonnes énergies. Quand l'énergie se développe, on peut avoir le résultat à court terme. Donc voilà, et peut-être il y aura quelque chose lié à votre travail, comme un nouveau projet, un nouveau poste, donc nouvelles responsabilités, donc c'est possible. Donc voilà, nouveautés liées aussi à vos habitudes, régime quotidien, quand peut-être vous allez commencer à s'occuper de votre santé, peut-être commencer un nouveau régime, donc voilà, traitement, bonne alimentation, donc c'est très très bien. Et vous savez, nouvelle lune en Scorpion, c'est un signe de pouvoir, quand il faut oser, ne pas avoir peur, accepter la transformation, et vraiment c'est peut-être un très bon moment pour vous, donc oser dans votre vie professionnelle, prendre le risque, accepter plus de responsabilités, donc voilà, oser. Et vous savez, ce thème sera actuel pendant la première moitié du mois, quand il y aura Mercure, donc au début du mois, et Mars jusqu'à 25 novembre, qui va gérer, influencer ce domaine de travail, donc voilà.
Eh bien, le 27 novembre, la pleine lune dans votre signe. Alors, vous savez, pleine lune nous éclaircit quelque chose. La formation que vous ne connaissez pas, donc avant, peut-être nouvelle, secret. Donc voilà, peut-être vous allez voir votre personnalité d'une autre façon. Donc c'est possible faire des conclusions, peut-être envie de changer quelque chose dans votre apparence physique ou à l'intérieur de vous. Donc c'est possible. Et vous savez, signe Gémeaux gère notre communication, notre entourage. Donc c'est possible qu'il y aura certains mystères secrets dévoilés par rapport à votre entourage et vous allez faire des conclusions, s'adapter à cette information, donc voilà, prendre des décisions, donc c'est possible. Et vous savez aussi, la pleine lune nous donne la culmination, le résultat de nos projets que nous avons commencé avec la nouvelle lune en Gémeaux il y a 6 mois, donc autour de la date de 18 juin. Pensez un petit peu, qu'est-ce que vous avez eu important autour de cette date? Peut-être un nouveau départ, une rencontre, quelque chose d'assez important. Et bien maintenant, vous pouvez déjà avoir déjà un résultat quand il y a un avancement, donc un développement de cette situation. Donc voilà. Mais il y a toujours quelque chose, je pense, que lié soit à vous, soit à votre entourage. Voilà. Et vous savez aussi, donc peut-être si vous avez eu éventuellement une crise, un conflit, perturbation, peut-être maintenant cette pleine lune, elle va vous apporter une certaine libération, solution justement sortie de crise. Et donc vous allez revoir votre personnalité, vous serez une autre personne, donc avec le caractère plus fort et des perspectives que vous allez voir dans votre vie. Donc voilà. Eh bien, et après le 5 novembre, alors Saturne qui se trouve un signe de poisson se retourne en mouvement direct dans votre 10e maison de carrière et statut. La maison qui est très importante également, c'est très important. Et vous savez, Saturne en général nous donne des limites, des barrières, peut-être certaines difficultés pour finalement, à la fin, nous donner une certaine organisation, tout mettre à l'ordre, nous apporter une certaine sagesse, meilleure direction à prendre donc dans ce domaine de carrière. Donc voilà, ici éventuellement dans ce domaine de carrière et statut, donc vous avez eu un retard, donc tout était au ralenti depuis 17 juin quand Saturne était rétrograde. Et bien maintenant vous pouvez déjà avoir une évolution, donc importante quand ça évolue dans la carrière, il y aura des perspectives, donc voilà. Ou le changement de statut également, vous savez, ça peut être statut dans votre vie professionnelle quand vous avez plus de responsabilités, vous devenez votre propre chef, la création de l'entreprise, ou votre statut de la vie de famille, quand vous prenez un engagement et la naissance des enfants, c'est possible également. Donc voilà, vous savez, c'est le développement que vous pouvez avoir à long terme jusqu'à février 2026, quand Saturne reste en signe de poisson. Vous savez, j'ai une vidéo par rapport à cela, avec les détails pour chaque signe astrologique, surtout avec un bon exemple, comment Saturne peut jouer sur nous et sur le monde entier, alors ça c'est incroyable. Donc voilà, ce domaine d'amour, partenariat et travail seront très actuels pour vous pendant ce mois de novembre. Et bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos et n'oubliez pas, le destin vous appartient.